Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici à Château Blanc, nous avons accueilli le 3e trophée Auto sur Avignon Courtine, donc la compétition de notre partenaire Patrick Maillot. Il est donc partenaire du club 4267 à Château Blanc et aussi partenaire de l'association sportive. Donc chaque année, il confie l'organisation de la compétition à l'AS. Et comme je l'ai dit à la remise des prix, c'est chaque fois une réussite. Donc je renouvelle mes félicitations et à Patrick et à l'association sportive. Merci aussi à l'équipe de Château Blanc d'avoir géré l'événement. Le mois dernier, vous avez pu voir Greg, notre responsable d'académie, qui vous a expliqué un petit peu le fonctionnement de l'académie, la dynamique et aussi ce que l'on propose lors des YouGolf Days. Et je profite de l'occasion pour vous annoncer que nous avons accueilli Fanny, une nouvelle prouette. Donc elle a rejoint l'équipe dernièrement, donc vous pouvez d'ores et déjà prendre des cours avec elle. Comme vous l'avez vu sur le parcours, nous avons lancé le mois de l'étiquette. Donc c'est une initiative de Stéphane Chaud que je vous propose de retrouver en interview. Mon rôle, j'ai été recruté en janvier 2020 pour m'occuper de l'animation de l'académie, notamment. Donc je suis rentré à mi-temps et j'ai coordonné toutes les animations de l'académie. Il y a eu quand même un gros travail, un gros investissement qui nous a permis de passer de 270 élèves à peu près à près de 400 aujourd'hui. Alors mon poste a évolué sur une animation qui est plus générale au niveau du golf complet, puisque j'ai en charge maintenant l'animation en plus de l'académie du golf et l'animation du club des partenaires, le club 4267, où depuis le mois de juillet, je m'occupe de ce club affaires. Nous étions une douzaine de membres quand je l'ai pris. Aujourd'hui, nous sommes 22 membres. C'est un club qui est très dynamique. À l'initiative de Charlotte également, nous avons imaginé faire un mois de l'étiquette pour remettre un petit peu les choses en perspective, puisque le golf est régi par des règles écrites, les règles du jeu, par le Royal et Ancienne. Et il y a des règles qui ne sont pas écrites, mais qui sont les règles de la politesse et du bien-être du golf, qui sont les règles de l'étiquette. Et nous souhaitons, durant le mois de l'étiquette, donc qui va se prolonger durant tout le mois de juin, on va faire de la communication là-dessus. Il y a déjà des bâches, je crois qu'on va en montrer quelques-unes. Et au niveau de l'académie, de nos élèves et de nos joueurs confirmés, c'est quelque chose que nous allons remettre en place et au goût du jour pour le bien-être de tout le monde. Merci à Stéphane pour son interview. Je vous propose maintenant de faire un point sur le mois de juin qui arrive. Il sera riche en événements puisque c'est le mois durant lequel on reçoit les compétitions de deux de nos partenaires principaux. Donc le dimanche 12 juin pour la vision d'optique par Marc Boutibou. Et ensuite le week-end, donc long week-end, 24, 25 et 26 juin pour le trophée AA84. Donc notre partenaire Hyundai, jeudi sur 3 jours parce qu'il a prévu une soirée le 24, comme ça s'était déroulé l'année dernière, et ensuite des animations et compétitions sur les 2 jours à venir. Justement, à cette occasion, j'aimerais mettre en avant Joël, qui fait partie et de l'association sportive et du club, et qui est la personne la plus polyvalente de l'équipe de Château Blanc, et pour ça je vous propose de le retrouver en interview. C'est la fin de ce point actu, je vous retrouve le mois prochain avec grand plaisir. À très bientôt !